Salut, dans cette vidéo on va parler de comment Nu Skin paye ses affiliés et comment on gagne de l'argent avec cette activité, cette entreprise. Nu Skin, c'est une entreprise qui existe depuis 35 ans, qui est cotée en bourse, qui fait plusieurs milliards de dollars par an de chiffre d'affaires et qui paye ses affiliés en fonction du chiffre d'affaires qu'ils sont capables de générer. Ça veut dire le nombre de commandes et le chiffre d'affaires qui sont capables de générer par mois. Chez Nu Skin, on va d'abord parler, je vais faire une petite explication, une sorte de glossaire des différents termes qu'on utilise. Tout d'abord, donc il y a des produits, et les produits, ils ont une valeur, ils ont une valeur monétaire évidemment, mais comme c'est une entreprise mondiale présente dans 53 pays, Nu Skin a parlé de point volume. Okay, et on parle de 1 point volume est égal à 1$ US. Okay, donc avec la parité, eh bien, ça va varier, ça va pas être 1 euro, etc. Ça va varier selon les pays. On parle aussi de PV personnel, c'est-à-dire c'est lié à ses commandes personnelles. Et on parle aussi de PVG, c'est-à-dire les PV du groupe, parce qu'on est un affilié et on peut aider d'autres affiliés à faire cette affaire, et donc on parle de PV, de point volume du groupe, le chiffre d'affaires du groupe. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête déjà dès le départ. Autre point important chez Nu Skin, il y a 3 types de comptes. Il y a des comptes qui sont clients, il y a des comptes qui sont membres, et il y a des comptes qui sont affiliés. Et on va voir la différence de chacun. Un compte client, c'est quelqu'un qui va payer 100% de la valeur du prix des produits. Et il ne peut pas faire de business. Le membre, c'est également un client, sauf que c'est un client qui va payer juste 70% du prix. Donc un produit qui vaut 100 points, le client va le payer 100 points. Le membre, lui, va le payer seulement 70 points. Alors, voilà, je simplifie. Et le membre, il ne peut pas faire non plus de business. Ok. Troisième compte, eh bien, c'est l'affilié. L'affilié, lui aussi, il a les produits, il peut les consommer pour lui-même, il les paiera 70% du prix. Et lui, il peut faire du business. C'est ok pour lui. Ok. Et donc ça, c'est important d'avoir en tête ces trois aspects. Ensuite, on va parler d'un autre point important qui est ce que l'on appelle l'ADR. Dans certains pays, on appelle ça la PRLA et dans d'autres pays, la RCA. C'est la même chose partout. C'est simplement une commande qu'on appelle auto-ship ou commande automatique. Qui donne droit à des points gratuits. Donc, le principe de l'ADR est simple. C'est dès lors que l'on fait une commande qui dépasse 50 points, en cochant la petite case ADR dans le formulaire de commande sur Internet, alors Nu Skin met de côté 20% de la valeur de la commande de côté dans une cagnotte, et cette cagnotte, ça va pouvoir être transformé en produit gratuit, et donc 20% cumulable mois après mois, et au bout d'un an ça passe à 30%. Donc quelqu'un qui fait une commande par exemple de 100 points par mois, il va avoir 20 points mis de côté tous les mois, au bout d'un an ça lui fera 240 points, et à partir du 13e mois il passera à 30%, donc une commande à 100 points lui donnera 30 points de côté. Donc si on imagine 100 € de commande égale 30 € de produits mis de côté. Donc c'est vraiment intéressant, et ça c'est quelque chose qu'on va utiliser beaucoup dans cette activité pour générer des commandes automatiques et donc du chiffre d'affaires automatique. Voilà, maintenant qu'on a vu le glossaire, le principal, on va maintenant s'attarder et expliquer comment l'affilié va commencer à gagner des commissions. Donc, un affilié, il s'inscrit, c'est gratuit. Et il n'a pas besoin de commander des produits, zéro commande de produits pour gagner des commissions. Okay, il n'y a pas besoin de commander quoi que ce soit pour toucher des commissions chez Nu Skin. Et donc l'affilié, qu'est-ce qu'il va faire pour gagner de l'argent sans faire une seule commande? Eh bien, il va utiliser en fait Internet, la boutique en ligne ou une application qu'ont tous les affiliés quand ils démarrent. Il va pouvoir en fait faire la promotion des produits qu'il aime à ses amis. Lorsque ses amis veulent commander, il va leur envoyer un lien d'achat affilié. Les amis vont faire une commande, donc ils vont commander sur Internet via le lien affilié. Ça veut dire que le lien d'achat, Nu Skin sait que c'est l'affilié qui en a parlé. La commande va être livrée. La commande va être livrée et en même temps, ça va générer une commission pour l'affilié. Et cette commission, elle sera de 35% minimum jusqu'à 45% du montant de la commande. OK ? On va détailler ce montant. En fait, il y a 30% qu'on appelle le retail bonus. Et puis, il y a aussi un sharing bonus. Donc, le sharing bonus qui va, lui, être de 5 à 15%. Il dépend du type de produit. Il y a des produits avec un sharing bonus différent selon le produit. Il y a des sharing bonus à 5%, des sharing bonus à 7, à 9, à 10, à 12, 15, etc. Et le retail bonus, eh bien, vous voyez que le retail bonus, c'est 30%. Eh bien, si on reprend la grille de départ, le client, il achète à 100%, l'affilié à 70%, la différence, c'est 30%. Et les 30%, Nu Skin ne les garde pas, mais les donne à l'affilié qui a fait le travail. Et donc, vous voyez que là, l'affilié démarre, il n'a pas fait de commande, il a juste partagé les produits autour de lui, les bienfaits des produits autour de lui. Et lorsqu'il y a des commandes sur Internet, eh bien, il touche une commission. Bien entendu, il y a des affiliés qui vont commander des produits et faire du stock. La plupart d'entre nous, on a un petit peu de stock. Mais franchement, ce n'est pas obligatoire, mais on en a un petit peu parce qu'il y a toujours des gens qui savent que l'on est des distributeurs, des affiliés Nu Skin et qui veulent des produits. Et donc là, on va faire des achats-reventes. Mais ça reste anecdotique. Ok, c'est pas avec ça qu'on gagne vraiment beaucoup d'argent. Là, ça, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas à s'occuper de la livraison. La livraison est assurée par Nu Skin. On n'a pas à s'occuper de la garantie puisque la garantie, elle est assurée par Nu Skin qui est le vendeur et qui est aussi le livreur et qui est le producteur du produit. On n'a pas non plus à s'occuper de la compta, de la facturation, etc. C'est Nu Skin qui s'en occupe. La seule chose que l'on a à faire, c'est connecter un client avec Nu Skin. On est donc des intermédiaires. OK? Alors, je vais mettre en jaune ce qui est retail bonus. Je vais mettre en bleu ce qui est sharing bonus, ok, parce que c'est des termes qu'on va retrouver tout de suite après. L'étape suivante va être, alors l'affilié, voilà, j'ai pas terminé par rapport à l'affilié, c'est que l'affilié, on va l'imaginer ici, il s'appelle Roméo, l'affilié va donc avoir son nuage de clients, ok, qui rapporte à la fois du retail et du sharing bonus, ok, il a ses clients qui sont là. Il a des clients qui vont aussi être des gens qui aiment les produits et qui vont mettre en place une ADR. Et donc, ces clients vont commander vont avoir des commandes automatisées mensuelles, et donc tous les mois, Roméo aura donc des rentrées de commission, entre guillemets, sans rien faire. Mais Roméo, il va aussi parler à ses amis de cette opportunité, et donc il va avoir des amis qui vont également s'enregistrer comme affiliés, et ce seront des affiliés qui seront directement connectés à Roméo. Et donc là on a les filleuls et là on a le parrain. Et évidemment A par exemple, il peut lui aussi avoir un certain nombre d'affiliés, lui aussi qui peut avoir des affiliés aussi, etc. etc. Ok ? Et donc c'est exactement le principe de création de réseau. Eh bien au départ, parce qu'il est juste affilié débutant, Roméo va toucher des commissions uniquement sur son niveau 1. Et la commission qu'il va toucher, c'est donc le sharing bonus qu'on a vu, qui est donc le sharing bonus qui est donc en bleu, pardon. OK. Et c'est donc 5 à 15% du montant des commandes de tous ses affiliés de premier niveau. Et il peut y en avoir autant qu'il en veut, il n'y a aucune limite au nombre d'affiliés directs. Et donc vous voyez déjà que l'affilié simple, il a une façon de gagner des commissions, c'est avec le retail bonus. Il a une deuxième façon de gagner des commissions, c'est le sharing bonus. Et puis il peut aussi faire des stocks en achat-revente. Ok, voilà pour l'affilié tout simple. On va passer maintenant à l'étape suivante, parce que Roméo a fait le travail de développer une équipe avec des affiliés, des filleuls directs, qui ont eux-mêmes développé une équipe. Toute cette équipe existe grâce à Roméo, et donc il serait juste que Roméo puisse également être récompensé pour avoir aidé à créer une équipe. Et donc on va voir tout de suite après comment Roméo va pouvoir toucher des commissions de cette équipe en formation sur la profondeur. Alors voilà, on va continuer. Donc je te propose une chose, c'est que si ça t'intéresse, si tu es intéressé par Nu Skin, si tu veux continuer à avoir d'autres vidéos qui t'expliquent des astuces comme celle-là, ou qui te donnent des explications sur comment ça fonctionne, abonne-toi à la chaîne et tu pourras les recevoir, tu auras toutes les notifications qu'il faut. Alors, on a vu que on voulait que Roméo voit comment il peut gagner des commissions en profondeur. Donc l'étape suivante, ça va être de devenir un représentant de la marque. Le représentant de la marque, qu'on va appeler aussi RM, et en Europe, on va l'appeler Brand Representative, ou aux États-Unis, ok, BR. Donc nous, on va l'appeler RM, d'accord? Représentant de la marque. Le représentant de la marque, c'est quelqu'un, c'est donc un affilié, donc c'est Roméo. Il a toujours ses affiliés directs, alors j'en dessine un certain nombre, peu importe. Et il a une équipe de personnes qui ont développé une équipe, qui ont développé du chiffre d'affaires, etc. et qui lui ont permis en fait d'atteindre un statut, et qui fait que, donc en tant qu'affilié, il a toujours son nuage de clients, où il touche toujours le retail. Il a aussi, en tant que brand représentative, il a toujours sa commission sur le niveau 1, le sharing, 5 à 15%. Donc là, c'est 30. Alors, on va l'écrire en couleur, en noir, 30%. OK, 30, enfin c'est 30 plus le sharing, donc c'est 30 plus 5 à 15. Voilà, soyons précis. Il a donc son premier niveau qui lui rapporte le sharing bonus, et il a un bonus supplémentaire parce qu'il a franchi des étapes importantes qui font qu'il va toucher un bonus qu'on appelle le building bonus. Qui va être de 5% jusqu'à 40% de toute son activité. ses achats de clients, ses commandes personnelles, il va retoucher des commissions venant de sa première ligne et des commissions venant de toute son équipe. Alors là, il peut y en avoir autant que vous voulez, autant que vous voulez, autant que vous voulez en largeur. Et donc, vous voyez que là, évidemment, le représentant de la marque touche des commissions. Il a un énorme effet de levier, d'énormes bénéfices et d'énormes intérêts à devenir représentant de la marque. Ok. Et donc, évidemment, entre l'affilié standard qui touche sur un seul niveau, un niveau de gain, et le représentant de la marque qui touche sur X niveau, il est évident qu'il est préférable de devenir représentant de la marque. Alors, la question évidente, c'est comment faire pour devenir représentant de la marque? C'est simple, il y a 4 conditions à respecter pour devenir représentant de la marque. C'est une étape de qualification pour devenir RM. OK? Et la qualification pour devenir RM, elle est très simple. Elle commence par, première chose, il faut faire plus de 1000 PVG en un mois. Donc, quand on parle d'un mois, c'est du 1er au 30 du mois, ou 31. C'est le mois calendaire. Ce n'est pas du 15 au 15. C'est du 1er au 30. Et ça, c'est pour démarrer la qualification. Peu importe le mois où la qualification démarre. On peut s'inscrire en janvier et démarrer sa qualification en juin, c'est pas un souci, mais on démarre sa qualification lorsque l'on a fait plus de 1000 PVG en un mois, et on appelle ça la LOI, Letter of Intent, lettre d'intention de devenir représentant de la marque. La deuxième condition, c'est de faire plus de 6000 points. Alors, vous vous souvenez, PVG, hein, toujours c'est des points volume groupe, ça veut dire tout le groupe, c'est-à-dire ses commandes personnelles, les commandes de ses clients, les commandes de toute son équipe. Un total de 1000 points pour faire la LOI et un total de 6000 points en 6 mois. Troisième condition, donc 6000 points en 6 mois, ça veut dire en fait, troisième condition, c'est faire plus de 1000 points volume groupe par mois pendant la qualif. C'est important ça parce que la qualif, elle peut durer 6 mois maximum, mais elle peut aussi durer 1 mois, ou 6 jours, ou 2 mois. Peu importe la durée, en fait, elle va, dès qu'on atteint les 6000 points, qu'on a fait 1000 points le premier mois, qu'on a atteint les 6000 points, qu'on a bien fait plus de 1000 points par mois, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire 1001 points le premier mois, 4000 points le deuxième mois, 1001 points le troisième mois, on a atteint les 6000 points, on a bien respecté tout ça. Mais il y a encore une dernière condition qui est de faire plus que 2000 PVG en ligne 1, ici. Donc pourquoi Nu Skin nous invite dans sa qualification à répondre à cette demande? C'est tout simple, c'est pour que on soit en train de bâtir une équipe, qu'on ne fasse pas tout seul, mais qu'on bâtisse une équipe qui travaille avec nous. Et donc, quand on a validé ces 4 conditions, on devient représentant de la marque, et alors on va commencer à toucher les commissions dont on a parlé ici, c'est-à-dire retail, sharing et building, les trois commissions. Donc voilà comment devenir représentant de la marque, voilà comment gagner sur tous les niveaux, et c'est pas terminé, il y a encore d'autres bonus que l'on peut recevoir. Alors un des bonus que les gens aiment beaucoup, c'est que Nu Skin nous offre des voyages, et ça c'est des voyages pour 2 personnes, avion, hôtel, 5 étoiles, excursion, resto, la totale, ok, pour 2 personnes. Et pour ça, eh bien, ça dépend des régions dans le monde, mais il faut au moins être représentant de la marque pour pouvoir accéder au voyage. Alors, si vous voulez des informations sur comment vous qualifier pour les voyages dans votre région, mettez un petit mot en dessous de cette vidéo et je vous donnerai l'information par région. Ok, donc ça c'est pour le bonus des voyages. On a vu tout à l'heure que Roméo, son intention c'est de devenir représentant de la marque. Donc il a une équipe, je la dessine entre guillemets au hasard. Donc on a des équipes qui se construisent en dessous avec des gens qui sont plus ou moins motivés, etc. Ok, donc on peut imaginer toutes sortes de choses, toutes sortes de montages. Ok, et vous voyez que donc Roméo, je le raye, ça veut dire qu'il est représentant de la marque. Et évidemment, il va y avoir des gens dans son équipe qui vont également le devenir. Imaginons que celui-ci devienne représentant de la marque. Alors, les commissions vont être... il va y avoir une légère évolution dans les commissions et on va parler de leading bonus. Leading qui vient de leader. Donc, quand Roméo devient RM et que dans son équipe, il y a un représentant de la marque, alors il devient un leader, c'est-à-dire qu'il a en gros créé sa franchise et qu'il a aidé quelqu'un à créer sa propre franchise. Alors dans ces cas-là, Roméo va continuer à toucher sur le L1, il va continuer à toucher le sharing bonus, il va continuer à toucher le retail de ses clients, il n'y a pas de changement. Il va toucher le building de son équipe. Et il va y avoir une nouveauté, c'est que son représentant de la marque qui est devenu représentant de la marque va être ce qu'on appelle détaché. Et à ce moment-là, Roméo ne touchera plus les commissions standards de, comme on a dit, le sharing ou le building. Il va toucher le leading bonus. Et le leading bonus, c'est 2,5% à 10% de toute l'activité de son associé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, il est détaché. Ça veut aussi dire que si Roméo a une petite activité, il est représentant de la marque avec une petite activité. Par exemple, il fait 4000 points dans son équipe tous les mois. Il va toucher en moyenne, avec 4000 points, il va toucher environ 1000 dollars de commission, ce qui est pas mal. Eh bien, si celui-là a une équipe qui fait 40 000 points, donc beaucoup plus, 10 fois plus que lui, eh bien Roméo va toucher 10% des 40 000, c'est-à-dire 4000 points, 4000 dollars, ce qui est bien. Mais lui, donc Roméo, il a 4000 dollars plus ses 1000 dollars de son groupe, ça fait 5000 de revenus mensuels. Et si lui, il a 40 000 points, il va toucher environ 20 000 dollars. Et c'est là où c'est intéressant, ça veut dire que quand on travaille beaucoup et mieux que son parrain, eh bien on peut toucher plus que la personne qui nous a parrainé. Ce qui fait de ce système quelque chose qui est parfaitement légal, non pyramidal et très très apprécié de tous les entrepreneurs qui sont volontaires à développer des grosses affaires. Ok, donc en tant que leader, eh bien on voit qu'il y a donc un bonus supplémentaire. Alors bien entendu, quand on arrive à ce niveau-là, Nu Skin a organisé les choses de façon à ce qu'on ait des statuts, des sortes de reconnaissance de où on en est dans notre activité. Alors, je vais faire des schémas simples. Roméo, il est représentant de la marque, il a toute son organisation, il a un affilié dans son équipe qui est représentant de la marque. Donc, il a toute son organisation autour. Donc, il y a lui plus un. On dit qu'il est or. Un représentant de la marque qui est or gagne en moyenne 460 dollars US par mois. Ok, c'est une moyenne. Si on revient légèrement en arrière, un représentant de la marque seul qui a son équipe. En moyenne, il gagne dans les 300, entre 200, 300, 400 dollars par mois. Okay, donc c'est bien, c'est pas non plus des sommes affolantes et c'est pas avec ça qu'on va faire un plan A. Quand il est or, voilà ce qu'il touche. Imaginons que il développe son équipe et qu'il a un deuxième affilié qui devient représentant de la marque. On dit qu'il est lapis. Et un lapis, c'est... C'est environ 1000 dollars par mois. Ok ? Donc les chiffres, vous les avez officiellement sur Internet. Vous pouvez les retrouver. Je vous donne des ordres de grandeur. Ok ? C'est environ 1000 dollars par mois. Quand il continue à développer son équipe et qu'il a 4 représentants de la marque en dessous de lui, en premier niveau, on dit qu'il devient rubis. Et un rubis touche en moyenne 2300 dollars par mois. Et donc là, ça devient intéressant parce que quand on en est là, 2300 dollars par mois, eh bien, c'est un peu un revenu moyen dans le monde du salariat. Et donc, il y a autant de gens qui gagnent cette somme qu'autant de gens qui ne la gagnent pas dans le monde du salariat. Et là, vous pouvez l'atteindre juste en développant une équipe et en partageant la qualité des produits. Alors, l'étape suivante, si on veut continuer, je vais vous dire ça tout de suite. L'étape suivante, ça va être pour Roméo de continuer à développer son équipe. Donc, il a ses 4 associés qui sont représentants de la marque. Il a aussi toute son organisation autour. Et quand il en a 4 plus... quand il y a une de ses jambes qui dépasse 10 000 points par mois, alors il devient ce qu'on appelle émeraude. Et un émeraude, c'est environ 4300 dollars par mois. Là, ça devient vraiment intéressant et vous voyez qu'il n'y a pas un travail monumental à fournir. On n'a pas de comptabilité, de diplôme à avoir, de connaissances à avoir. On a juste à partager les bons plans. Quand on continue, son équipe continue à s'agrandir. Quand il a 5 représentants de la marque de premier niveau, une jambe à plus de 10 000, une jambe à plus de 20 000, alors on dit qu'il est diamant. Et un diamant, c'est plus de 9000 dollars par mois. Tout ça, ce sont des moyennes. Hein. Donc évidemment, quand on atteint ce niveau-là, c'est plus un plan B, c'est un plan A. Il continue son évolution. Il a 6 sur la première ligne, 6 représentants de la marque sur la première ligne, une jambe à 10, une jambe à 20, une jambe à 30 000. Il est à ce moment-là appelé diamant bleu. Et un diamant bleu gagne en moyenne plus de 22 000 dollars par mois. Il faut savoir que 1% des représentants de la marque sont diamants bleus. 1%. Et c'est pas fini. Quand il développe son affaire encore un peu, toujours avec 6 de premier niveau, qu'il a une jambe à 10, une jambe à 20, une jambe à 30, une jambe à 40, vous voyez, ça commence à faire beaucoup de chiffre d'affaires, hein, eh bien on l'appelle Team Elite. Les diamants bleus aujourd'hui, ils mettent environ 4 à 5 ans en moyenne pour y arriver. Les team élites, ben c'est un petit peu plus long, mais il y a des gens qui le font en 18 mois actuellement avec les réseaux sociaux. Et un team élite, eh bien, si le diamant bleu gagne plus que 22 000 euros par mois ou 22 000 dollars par mois, eh bien, c'est forcément beaucoup plus. Et donc, voilà les différents titres que l'on peut atteindre avec Nu Skin et qui vous permettent d'avoir un aperçu complet de toute l'activité que l'on peut avoir avec Nu Skin. Et pour terminer, le bonus de cette vidéo, ça va être que ce système est un système de duplication dans lequel on va se copier. Alors là, je vais juste prendre un exemple où chaque personne va commander 100 points personnels, donc tous les mois, en ADR. Okay, donc ça peut être du shampoing, du gel douche, du déo, de la crème hydratante, etc., des compléments alimentaires, peu importe. 100 points par personnel, et chaque personne va va parrainer 4 nouveaux affiliés par mois, c'est-à-dire un par semaine. Eh bien, imaginez, premier mois, 1, 2, 3, 4. On va prendre une autre couleur pour le deuxième mois. Donc, on va faire des traits. Hop, 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 hop. Ensuite, lui, il en trouve 4. Lui, il en trouve 4. Lui, il en trouve 4 le mois suivant. Lui, il en trouve 4 encore. OK? Donc, je vais faire des traits. Donc, pour le mois numéro 1, il y a donc 100 points, 200 points, 300 points, 400 points, 500 points. Mois 1, 500 points, PVG. Souvenez-vous que pour se qualifier et être représentant de la marque, il faut démarrer par plus de 1000 points et atteindre les 6000. Au mois numéro 2, les gens recommandent tous un produit, et donc vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 personnes qui commandent 100 points, ça fait 2500 PVG. Donc déjà, on a démarré notre qualification et on est en train de développer notre affaire. On a déjà fait notre LOI, on a fait plus de 1000 points, etc. Le mois numéro 3, lui, il trouve 4, lui, il trouve 4, il trouve 4, il trouve 4, lui, il trouve 4 de plus, lui aussi, lui aussi, lui aussi, ensuite 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, j'ai l'impression d'être une poule, ok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Normalement, j'ai tout. Et lui, il en ressort 4 nouveaux encore. OK? Alors, on en avait combien tout à l'heure? 25. Eh bien, 25 x 4, ça fait 100. Plus 5, plus 25, ça fait 125. Donc, le mois 3, on est à 125 affiliés qui commandent 100 points. Donc, je rajoute 2 zéros. 12 500 points. Ça y est, on a atteint les 6000 points, on a dépassé les 6000 points, on est représentant de la marque. Et quand on fait ça, le troisième mois, on va gagner plus de 3000 $ dans le troisième mois. Donc voilà une astuce toute simple pour développer cette activité sans être un vendeur particulièrement, juste en développant des réseaux d'entrepreneurs. Je vous souhaite une bonne relecture de la vidéo. Je suis impatient de lire vos commentaires. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour avoir d'autres méthodes. Mettez un commentaire, partagez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.